Ça va, ça va avec un impact d'un léger. Oui. C'est une des questions. Vous m'avez dit ? Non, mais c'est vrai. C'est des questions. À bientôt. Monsieur le ministre, c'est Bonjour. De la télévision Malgache. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une déclaration à faire à l'issue de votre entretien avec le président Malgache ? Eh bien, je suis venu voir le président, à la fois pour le féliciter et puis pour lui dire que on souhaite que, avec ce nouveau cours qui maintenant s'installe, Madagascar reprenne son dynamisme, que la concorde s'installe, que l'économie puisse redémarrer. Le président est allé aux États-Unis, il voulait absolument passer par la France. Il verra le président français d'ici quelques temps. Et nous sommes vraiment aux côtés de Madagascar et nous allons vous appuyer dans votre développement. Oui, et est-ce à dire que le cours des relations entre la France et Madagascar va également reprendre Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, c'est clair. À partir du moment où on se situe, ce qui est le cas, dans un cadre totalement démocratique, respectueux du droit, bien, tout à fait normal que la France soit totalement à vos côtés. Et est-ce qu'à l'instar des États-Unis, est-ce que vous vous êtes entier de la formation du futur gouvernement et de la nomination du Premier ministre ? Bien sûr, c'est au Malgache à régler les affaires. Nous ne voulons pas nous ingérer, mais c'est évident qu'à partir du moment où un président nouveau a été élu démocratiquement, il faut que le reste fonctionne également. Et compte tenu de ce que m'a dit le président, je pense et j'espère que c'est en bonne voie. Merci beaucoup, à bientôt. Vous me verrez, je vous ferai un petit briefing. Monsieur l'ambassadeur, merci. Je compte sur vous, soyez actifs, rendez-vous compte. Merci.